Bonjour Hélène, bienvenue. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Super. Bon, bah super, c'est parfait. J'ai déjà lancé l'enregistrement. Alors, je suis voilà, aujourd'hui pour cette webconférence sur l'enveloppe juridique de l'entreprise. Bah, je suis accompagné de Jessaline Bonjour à tous. de Positive Planète, que voilà, je suis très heureux de l'accueillir ici aujourd'hui. Et c'est elle qui bah, sera votre animatrice hein, pour l'animatrice de la webconférence. Je vois qu'Hélène. Qu'est-ce que Positive Planète? Ah. Ah, mais je comptais vous l'expliquer à la fin, mais Positive Planète, c'est un opérateur qui fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et si vous êtes d'accord, à la fin de la présentation sur l'enveloppe juridique, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout ce que nous proposons. Mais comme vous êtes venu pour l'enveloppe juridique, je vous présente d'abord éventuellement tout ce que vous souhaitez entendre, ou presque, sur ce qui va concerner le juridique dans l'entreprise. Parfait, mais on n'oubliera pas, hein, il faudra vraiment présenter Positive. C'est très important. Alors, je vais hop, couper mes sonneries aussi pour éviter d'être dérangé. On voit que tout marche bien. Le petit rituel d'avant chaque webconférence. À 14h28, on va démarrer dans 2 minutes à peu près. Les autres, je vois qu'il y a des nouveaux participants qui arrivent. Que ça vient petit à petit. Bonjour Dorothée, bienvenue. Bonjour Dorothée. Voilà. Allez, 1 minute, un tout petit peu plus d'une minute, on va pouvoir lancer la webconférence. Bonjour Catherine. Oui, vous avez raison, Patricia, on l'espère aussi. Voilà, je ne sais pas quel type de connexion vous avez, si vous êtes en Wi-Fi ou en filaire. Et d'ailleurs, où est-ce que vous êtes aussi? Brun-sur-Allaune, dans le 49. Et ça souffle beaucoup? Ah oui. Ici à Paris, ça souffle pas trop. Par contre, il pleut. Ouais, ce soir, idem à Nantes. Parfait. Il est 14h30, je vous propose de démarrer cette webconférence donc, sur l'enveloppe juridique de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux aujourd'hui, je suis accompagné de Jessaline de Positive Planète. Bonjour Jessaline, Bonjour à tous, bonjour bienvenue. Jean-Michel.
Voilà, je pense que bon, on va pas perdre plus de temps dans les présentations. Je préfère qu'on ait davantage de temps à passer sur l'exposé, la présentation de Gessaline. Et donc, je passe tout de suite la main. Gessaline, c'est à toi. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà assisté à des ateliers sur les statuts juridiques. Si c'est le cas, l'enveloppe juridique n'est pas du tout un atelier sur les statuts juridiques. L'enveloppe juridique de l'entreprise, je vous le présente grosso modo, et puis vous allez voir au fur et à mesure du défilé des slides, c'est plutôt pour faire un état des lieux de la bulle juridique de l'entreprise et les interactions avec les bulles juridiques de l'environnement de l'entreprise. L'environnement inclut le chef d'entreprise. Donc, on va essayer de faire un tour de tout ce à quoi il faut être vigilant lorsque on imagine un projet et que l'on souhaite créer son entreprise. Et la première chose, c'est définir son secteur d'activité. La définition du secteur d'activité va vous permettre, en fonction de l'activité, voilà, la slide est arrivée, d'essayer de déterminer quelle est la réglementation, quelle est la norme, quelle est la législation sur cette activité, quelles sont vos obligations sur cette activité. Pourquoi y penser dès le début du projet? Parce que vous allez avoir des activités qui vont vous obliger à avoir des diplômes, des certifications, etc. Et que ce n'est pas au moment où vous allez immatriculer qu'il va falloir vous en soucier. Ou des demandes d'agrément ou ce genre de choses. Donc, quatre grandes natures d'activités, l'artisanat, tout ce qui va être prestation de service, avec de la fabrication minimum en série limitée. Donc, vous allez retrouver là tout ce qui va être boulanger, charcutier, tout ce qui va être traiteur, tout ce qui va être esthéticienne ou esthéticien, coiffeur, coiffeuse, mécanicien. Dès qu'on dit ces mots, on a tout de suite à l'esprit un aspect sécurité, sécurité alimentaire, sécurité au niveau des produits quand on est dans la coiffure ou l'esthétique. On ne veut pas sortir de chez une esthéticienne après une épilation en étant brûlé au troisième degré avec des cloques. Hein. Donc, on comprend bien que ce sont des métiers où il va y avoir au minimum une exigence de diplôme. Et puis probablement des formations complémentaires à ces diplômes. Donc ça, il faut s'en soucier dès le départ. L'agriculture, eh bien, ça couvre ce qu'on imagine immédiatement quand on passe à agriculture, production, céréalière, fruits, légumes, etc. Mais ça va aussi couvrir tout ce qui va être de la mer, donc la pêche, l'élevage en mer, la récolte d'algues ou de champignons. Mais ça va également être tout ce qui est production ou transformation de production à la ferme. Par exemple, vos foie gras que vous consommez lors des fêtes de fin d'année En tout cas, vos foie gras, vous avez soit la possibilité d'aller en grande distribution et d'acheter du foie gras industriel, mais parfois, certains parmi nous préfèrent avoir des foie gras produits à la ferme. Ils sont faits en labo et ils ne dépendent pas de l'artisanat, mais bien de l'agriculture. Le commerce, j'achète, je vends. Aucune transformation d'aucune sorte. Je peux éventuellement reconditionner. Je donne un exemple simple, j'achète une tonne de poivre blanc ou de poivre noir à Madagascar, je reconditionne en sachet de 1 kg ou en sachet de 100 grammes. Là, je suis dans le cadre du commerce. J'achète 10 tonnes de café en Amérique latine, je le fais torréfier ou je le torréfie moi-même. Là, je ne suis plus dans le commerce. Voilà, donc aucune transformation. J'achète, je vends, je fais une marge, éventuellement je reconditionne, je réemballe, etc. Et puis les professions libérales, dites réglementées ou non réglementées. Alors c'est souvent là qu'on est un petit peu perdu. Beaucoup de professions libérales sont immatriculées à l'artisanat alors qu'elles n'ont rien à y faire. D'autres, quelques-unes, au commerce alors qu'elles n'ont rien à y faire. Les professions libérales réglementées sont les professions dites à ordre.
Elles sont connues, ce seront toutes les professions médicales à ordre, médecins généralistes, médecins spécialisés, chirurgiens, dentistes, kinés, infirmières, etc. Ce seront toutes les professions autour du droit, donc les avocats, mais aussi les huissiers, les notaires qui sont en même temps et également des officiers d'état civil. Ce seront toutes les professions qui tournent autour des comptes, donc experts comptables, commissaires aux comptes. Et j'en oublie une quatrième qui m'échappe, excusez-moi. J'ai pas beaucoup l'habitude de faire du webinaire. Ah oui, toutes les professions qui sont sur la sécurité des infrastructures. Donc, on va trouver là les architectes, les géomètres experts, etc., etc. Donc, toutes ces professions sont réglementées, dites à ordre parce que c'est l'ordre qui rend la justice. Lorsqu'une de ces professions ou lorsqu'un de ces professionnels est mis en cause, on ne pourra pas aller devant une juridiction lambda, publique. Il va falloir aller devant l'ordre pour porter plainte et pour qu'il y ait un jugement sur la mise en cause des compétences professionnelles de ce professionnel. Toutes les autres professions libérales, dites non réglementées, sont des personnes qui travaillent sur de la prestation intellectuelle. On a l'habitude en plaisantant de dire que le professionnel libéral est le seul chef d'entreprise à travailler avec sa tête. Donc, vous voyez bien que c'est une plaisanterie. Prestation intellectuelle, ça veut dire tout ce qui va être consultant, tout ce qui va être formateur, tout ce qui va être traducteur, interprète, journaliste, pigiste, tout ce qui va être coach, coach de vie, coach d'éducation canine, etc. Tout ce qui va relever des médecines douces, tout ce qui va être également des voyants, tarologues, numérologues, etc. Les péripatéticiennes, pour exemple, sont des professionnels libérales non réglementés. Par principe, on estime qu'elles travaillent avec leur tête. Donc, vraiment, avant de vous interroger sur toute autre chose, interrogez-vous sur la nature de votre future activité. Vérifiez, validez que vous êtes bien dans la bonne nature parce que ça induit un passage dans les chambres consulaires. Et c'est là que vous allez trouver la première information concernant la norme, la réglementation de votre secteur d'activité. Donc, c'est là que vous aurez les premières informations, vos premières obligations ou les incapacités en fonction de ce que vous aviez imaginé. Donc, bien sûr, tout ce qui va être du commerce, ça sera de la chambre de commerce et d'industrie, sauf les sociétés artisanales employant plus de 10 personnes. Donc, si vous avez dans l'idée de créer une boulangerie où il y aura plus de 10 salariés, vous serez à la fois immatriculé à la chambre des métiers et en même temps à la chambre de commerce. Les chambres des métiers pour toutes les activités artisanales qui peuvent aussi se cumuler avec une petite activité de commerce, moins de 30% du chiffre d'affaires. Les URSSAF et les ORIF-PL, alors ORIF-PL, Office Régional d'Information, de Formation et de Formalité pour les professionnels libéraux. Donc ça va concerner toutes les professions libérales sans restriction aucune. Donc, qu'elles soient ou pas réglementées, c'est à l'URSSAF ou à l'ORIF-PL qu'elles doivent aller s'informer. Le greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux. Et puis, pour toutes les activités agricoles, la chambre d'agriculture. Donc là, pour une première information sur votre future activité, vous devez trouver les bases juridiques concernant l'activité en elle-même. Ce que vous pourrez faire, ce que vous ne pourrez pas faire et comment vous pourrez le faire. À partir de là, eh bien, vous allez vous poser des questions sur, et je pense que vous vous en posez tous déjà, sur le statut juridique. Ça fait partie des premières questions qu'on se pose quand on imagine porter un projet, comment je vais m'installer, quelles sont les démarches à faire pour m'immatriculer, etc. Mais dans un parcours traditionnel de création d'entreprise, finalement, ce ne sont pas forcément les premières questions à se poser, pour plusieurs raisons. Parce que, et une essentielle, c'est que ça se travaille en même temps que les prévisions financières.
tout choix de statut juridique va avoir un impact financier sur l'entreprise, voire ça peut être inverse. Les prévisions financières que vous allez faire dans le cadre de votre étude de projet, de votre étude financière, peuvent interdire certains statuts juridiques. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à ce moment-là, il est inutile de vous mettre, j'allais dire, martel en tête, donc de vous prendre la tête sur le statut juridique. Vous n'avez pas les éléments de réponse, ou en tout cas les éléments qui vous permettront de répondre opportunément à cette question. Par contre, tout au long de ce parcours, vous pouvez, au fur et à mesure, engranger des réponses qui vous permettront d'y répondre, de répondre à votre questionnement de façon solide au moment de l'étude financière et des simulations de statut juridique. Donc, première chose, découvrir ce qu'est l'enveloppe juridique de l'entreprise, de l'activité, est essentiel parce que certaines activités vont aussi empêcher certains statuts juridiques. Deux, identifier les choix d'éléments d'un statut et pas simplement quelles vont être les répercussions sociales et fiscales, mais toutes les autres questions qu'on oublie de se poser parce que l'entreprise interagit juridiquement avec son environnement et avec les dirigeants de l'entreprise. Et puis, comprendre les conséquences de ces choix, ce sont vraiment trois aspects vraiment très importants. Et là, oui, il y a des questions à se poser dès qu'on a une idée de projet en tête. Alors, ce que vous pouvez mettre sur des feuilles de papier blanc ou alors sur des notes ordinateur dès maintenant, ce sont quelques questions auxquelles vous allez apporter des réponses au fur et à mesure où vous allez vous avancer dans votre projet. Donc, on vient d'aborder un des éléments de ces questions, c'est la réglementation associée à l'activité. Donc, comment est-ce qu'elle impacte un choix de statut? Donc, bien connaître cette réglementation, ça va permettre de répondre au niveau du statut. Les moyens financiers, un, que vous pouvez apporter, deux, qui sont nécessaires, ce n'est pas la même chose, peuvent aussi faire varier votre choix de statut juridique. Les perspectives de développement de l'activité. Vous n'allez pas choisir un statut juridique de la même façon si vous souhaitez créer une entreprise pour vivre sereinement, sans trop, entre guillemets, vous prendre la tête. Vous allez être chef d'entreprise, donc vous allez avoir des responsabilités. Qui dit responsabilité dit qu'on a un minimum de travail responsable à faire. Mais vous pouvez très bien imaginer que votre projet, c'est un projet que vous menez seul et qu'il doit vous faire vivre confortablement tous les mois. Vous n'allez pas donc réfléchir les statuts juridiques de ce type de projet de la même façon que si vous avez un projet sur une innovation quelconque, que vous voulez être au CAC 40 dans 3 ou 5 ans et revendre votre entreprise 2 ans après, pas loin du milliard d'euros pour partir avec 300 millions d'euros à la retraite avant 30 ans. Voilà. Donc ça, vous le posez. Une autre question à se poser, c'est est-ce que je crée seul ou est-ce que nous allons être plusieurs et combien dans la création de cette activité? Quand on est tout seul, bien, on est limité en termes de choix de statut juridique. Quand on est plusieurs, on est aussi différemment limité. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas non plus les mêmes conséquences. La situation personnelle, et vous allez voir tout à l'heure, je vais faire quelques slides, je vais sûrement avoir quelques plaisanteries sur la situation personnelle du ou des dirigeants. Toute situation personnelle est une situation juridique. Donc, comment ces deux entités juridiques, qui tiennent du personnel du dirigeant et qui tiennent de la société, interagissent, peuvent s'impacter positivement ou négativement. Et comment vous, et je pense que ça va être votre premier objectif, vous préservez au maximum votre bulle juridique personnelle. Et bien sûr, au niveau social, comment vous préservez la protection de votre famille, la vôtre? Comment aussi au niveau des impôts, vous allez pouvoir réfléchir aux
optimiser la fiscalisation de l'entreprise et la vôtre personnelle. Voilà. Donc, toutes ces questions, vous pouvez les d'ores et déjà, dès le début, peu importe où vous en êtes dans votre projet, les poser sur des feuilles de papier au fur et à mesure où vous avancez, ou sur des notes, et les ranger, et ranger les éléments de réponse qui vous permettront de prendre une décision éclairée et avertie à un moment ou à un autre. Alors, la liste des questions, là, est basique. Elle n'est pas exhaustive. Après chaque projet, chaque activité peut avoir des questions plus pertinentes ou autres. Donc, c'est à travailler avec une personne compétente qui vous accompagnera. Alors, plus que de m'arrêter sur les statuts juridiques, je vous fais un cadeau aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur une notion que très peu de conseillers vont vous expliquer et qui me semble pourtant vitale à comprendre lorsqu'on réfléchit sur les statuts juridiques. Je vais vous parler de la notion de personne en droit. En droit français, il existe deux types de personnes. Il existe les personnes physiques. C'est vous, c'est moi, c'est Jean-Michel à côté de moi. Et on les appelle personnes physiques parce qu'on est fait de chair, de sang, d'os, etc. Et que quand on est, nous avons une existence vitale immédiatement lorsque nous sommes déclarés au regard de la loi, au regard de l'État. Ça nous donne des droits et des devoirs. Donc, personne physique, vous, moi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les personnes morales. Et je vous les ai représentées là sur la slide sous la forme d'un petit fantôme parce qu'elles n'ont pas de réalité concrète à nos yeux. Hein, ce ne sont que des papiers, des dossiers pour la plupart. Mais au regard de la loi et de l'État, elles ont la même existence, la même valeur que vous et moi. Donc, l'État, les administrations regardent une société, une association loi 1901 ou toute autre personne morale comme si c'était une personne. Et donc, cette personne, elle a des droits et des devoirs à équivalent d'une personne physique. Et c'est quelque chose vraiment de très important à comprendre dès que vous vous intéressez au statut juridique parce que ça va changer votre façon d'envisager votre future gestion d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça implique au niveau du choix d'un statut ? Ben, dans les choix entrepreneuriaux, vous aurez deux choix. Soit vous choisissez de créer une entreprise individuelle, et là, l'entreprise individuelle va être confondue avec votre propre personne juridiquement. C'est-à-dire que vous ne formerez qu'une seule entité, un seul être vis-à-vis de la loi. Donc, vous créez votre entreprise individuelle, elle est confondue avec vous, vous avancez, elle avance, vous reculez, elle recule, vous partez à gauche, elle part à gauche, vous partez à Tombouctou, elle part à Tombouctou avec vous, vous revenez à Paris, elle revient à Paris avec vous, je suis une femme, donc je vais parler comme une femme, vous tombez enceinte, elle devient maman avec vous, vous mourrez, elle meurt avec vous. Voilà, les deux sont confondus. Donc c'est vraiment le type d'entreprise qui est très souple à gérer, vous prenez une décision pour vous-même, vous l'appliquez immédiatement, vous prenez une décision pour l'entreprise, c'est comme si vous l'aviez prise pour vous-même, vous l'appliquez immédiatement, vous êtes responsable de cette décision et vous l'êtes sur vos biens propres. Voilà, sauf qu'il y a quand même quelques moyens de les mettre à l'abri, on le verra tout à l'heure. Ensuite, beaucoup de personnes pensent à mettre leurs biens à l'abri ou alors à créer à plusieurs et à ce moment-là, il va y avoir la nécessité de créer une personne morale. Ou en tout cas, beaucoup imaginent qu'il y a nécessité à créer une personne morale. Et donc là, on va être sur des statuts société. On est dans le cadre de l'entrepreneuriat, des statuts société. Il va y avoir des sociétés unipersonnelles, donc il y aura un gérant unique, un associé unique, et puis il va y avoir des sociétés pluripersonnelles, on va le revoir tout à l'heure, donc au minimum deux associés, puis après il y a des maximums en fonction de type de société et ce qu'on veut qu'elle devienne à un moment ou à un autre. Le danger de ne pas bien comprendre la notion de la personne en droit vient et est prégnant sur les sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire les EURL et les SASU, parce que souvent le chef d'entreprise se comporte là comme s'il était en entreprise individuelle. Et c'est là que souvent il est rattrapé par la loi. Donc, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure où on va avancer en vous donnant quelques exemples concrets
quelles sont les erreurs basiques à ne pas commettre. Et ça vous permettra, vous, de vous faire une idée, un, de la lourdeur ou pas de du statut juridique qu'il va falloir gérer, et d'autre part, de votre aptitude à pouvoir gérer les paradoxes de ces personnes morales, sans vous mettre en danger légalement. Alors, quand vous allez créer l'entreprise, quand vous allez l'immatriculer, on va y revenir après encore un petit peu, vous allez obtenir ce qu'on appelle un extrait cabis. Comme je viens de vous le dire, aux yeux du droit, aux yeux de la loi, aux yeux de l'État, aux yeux des administrations, c'est une nouvelle personne qui naît. Donc, elle a un acte de naissance et elle a une carte d'identité civile. C'est l'extrait cabis. Et c'est là-dessus que vous allez retrouver des informations du type code APE ou NAF, du type numéro SIRE-SIREN. Alors, sur cette slide, il y a une erreur. L'erreur étant formatrice, je la laisse. Et puis, une petite image de ce qu'est un extrait cabis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Plein de numéros vont vous arriver. Vous allez me dire, c'est l'État français, c'est l'administration, on nous noie sous les numéros, mais ces numéros ont une fonction. Si vous les comprenez, vous comprenez pourquoi autant de numéros et après, vous savez vous en servir. Code APE ou code NAF, c'est le numéro plus la lettre, alors numéro à 3 chiffres ou à 4 chiffres, qui va indiquer votre branche d'activité principale. Et vous allez voir que ça va être important. Parce que comme vous êtes obligé de la mettre sur tous vos documents officiels, de mettre ce code sur tous vos documents officiels, vous allez voir que si sur des devis, vous avez omis de le faire apparaître, certains clients vont vous dire « mais je ne peux pas vous payer parce que vous ne m'aviez pas averti que vous étiez dans cette branche d'activité. Or, nous, on ne travaille pas avec ce secteur d'activité et donc vous avez fait la prestation, mais tant pis pour vous, on ne peut pas vous payer, c'est illégal. » Voilà. Donc, votre code APE, votre code NAF, le choix de la terminologie, de la dénomination de votre activité va être très important. Il va falloir aussi très bien cibler vos clients et la façon dont vous allez communiquer avec eux sur cette branche d'activité pour vous assurer d'être payé à un moment ou à un autre. Le numéro CIRE est composé de deux numéros, ce numéro SIREN et le numéro NIC. Le numéro NIC, pas important de se souvenir ce que c'est, je vous explique après, mais vraiment, NIC, peu importe, on s'en moque. Mais le numéro SIREN, c'est comme votre numéro INSEE que vous avez sur la carte vitale, c'est votre numéro d'entrepreneur personnel ad vitam aeternam. Donc, on va vous le donner la première fois que vous créez une entreprise, vous l'arrêtez, vous en redémarrez une autre dans quelques mois, quelques années, on vous redonnera un nouveau numéro CIRE et vous verrez qu'il sera composé de votre numéro SIREN suivi d'un nouveau numéro NIC. Le numéro NIC, en fait, est le numéro de l'entreprise. Le numéro SIREN, c'est votre numéro personnel d'entrepreneur. Alors, bien sûr, ça fonctionne pour l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il va s'agir de société, c'est la société qui va avoir un numéro d'entrepreneur. Donc, vous pouvez très bien être associé, même associé dirigeant dans une société. Et la société a un numéro SIREN et un numéro CIRE, et vous pouvez à côté être vous-même chef d'entreprise, entrepreneur individuel, et avoir votre propre numéro CIRE et SIREN. Voilà. Vous pouvez cumuler plusieurs choses. Mais le tout, c'est de bien se repérer au niveau de tous ces numéros et de ce qu'ils signifient au regard de la loi et au regard des autres acteurs de l'environnement avec lesquels vous allez travailler. L'extrait cabis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va reprendre votre code d'activité, de branche d'activité, qu'il soit NAF ou APE, il va vous donner votre numéro SIREN, il va vous donner votre numéro CIRE entre quelques autres informations. Alors, méfiez-vous, au moment où vous allez recevoir ces documents officiels qui sont essentiels, dont il ne faut pas donner des copies à droite et à gauche et surtout dont il faut garder les originaux impérativement jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, vous arrêtez l'entreprise, peu importe, vous gardez les originaux. Vous allez recevoir plein d'autres documents en tête officiels. Parmi ceux-là, il y aura des tentatives d'escroquerie.
Donc, soyez extrêmement vigilants. L'administration française ne vous appellera pas à cotiser pour quoi que ce soit au moins le premier mois, voire les trois premiers mois de vie de l'entreprise. Donc, faites très attention. Vous aurez des documents qui ressembleront beaucoup à celui-là. Soyez vigilants. Alors, tout au long de ces slides, je vais faire revenir le tableau récap. Je verrai avec Jean-Michel, il y a un tableau récapitulatif à la fin qui reprendra tous les points qu'on aura vus et qui vous permettra sur un seul tableau d'avoir une vision d'ensemble statut juridique par statut juridique. Il vous transmettra ce tableau. Le reste est en copywriting, mais ce tableau, tu pourras le leur transmettre façon à ce qu'ils aient un récapitulatif. Donc, comme vous le voyez, en bleu, j'ai mis l'entreprise individuelle. Donc, ça, c'est une entreprise qui est personne physique. Et puis, en jaune, vous avez la liste des personnes morales, qu'elles soient unipersonnelles ou qu'elles soient à plusieurs associés. Bonjour, Dorothée. Alors, qu'est-ce qui va différer entre une personne physique et une personne morale? En haut, vous avez la personne physique, donc l'entreprise individuelle, et en bas, vous avez les personnes morales. En haut, vous voyez que le patrimoine du chef d'entreprise et le patrimoine de l'entreprise sont confondus. Ils ne forment qu'une seule entité. Donc, la maison du chef d'entreprise appartient à l'entreprise, la voiture de l'entreprise appartient au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise peut disposer de l'intégralité de ce patrimoine au bénéfice de l'entreprise, tout comme si l'entreprise crée des dettes, les créanciers peuvent venir se servir sur l'ensemble de ce patrimoine s'il n'a pas été mis à l'abri. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de créer une entreprise individuelle si on se met en danger. Mais je vous ai dit, si vous n'avez pas mis votre patrimoine à l'abri, ce qui veut dire que vous pouvez très bien envisager une forme juridique entreprise individuelle et en même temps regarder les aspects juridiques qui vont vous permettre de mettre votre patrimoine à l'abri. Donc le patrimoine et la protection du patrimoine est un des critères de choix d'un statut juridique, mais il ne doit pas être le critère central parce qu'il y a des moyens d'éliminer probablement les raisons qui font qu'on va s'orienter sur un choix de personne morale en croyant mettre ses biens à l'abri. D'ailleurs, on vient maintenant aux personnes morales. Vous voyez en bas de la slide, le patrimoine à gauche du chef d'entreprise est vraiment séparé du patrimoine à droite de l'entreprise. Donc, ça veut dire que si vous disposez, vous, d'un appartement et d'économie, mais que l'entreprise dispose d'un véhicule, ces deux patrimoines sont bien séparés. L'entreprise ne peut pas utiliser votre appartement pour l'activité, elle ne peut pas utiliser vos économies pour l'activité, de même que vous ne pouvez pas utiliser le véhicule pour partir en week-end ou pour transporter le sofa de la si jolie voisine avec laquelle vous aviez envie de discuter depuis quelques semaines. D'accord ? La voiture, elle est là exclusivement pour l'activité de l'entreprise. Et c'est souvent là que les dirigeants de société commettent une erreur. Vous allez me dire comment il va savoir j'ai transporté le sofa de la voisine. Écoutez, allez, une petite question pour vous. Le premier chèque de l'histoire de l'humanité, essayons de savoir. Quand est-ce qu'a été créé le premier chèque de l'histoire de l'humanité? Je vous laisse 2 minutes pour essayer de trouver, de deviner. N'allez pas chercher sur Internet. Il ne s'agit pas d'avoir la bonne réponse, mais il s'agit d'être surpris par la réponse. Je vous donnerai des réponses tout à l'heure. Je vois que quelqu'un m'a dit acte notarié. Je vous donnerai tout un tas de réponses tout à l'heure. Il s'agit aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Après, vous aurez toujours le moyen de trouver la réponse. Quand on n'a pas la bonne question, on ne peut pas trouver la bonne réponse. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner les bonnes questions pour que vous alliez chercher les bonnes réponses par vous-même. Les Romains, les scribes, on commence à se rapprocher. Allez, on commence à se rapprocher. Je vous aide? Je vous aide un peu? Allez, 7000 ans avant Jésus-Christ. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, ils n'avaient pas la forme de nos chèques.
mais ou de nos bons porteurs ou ce que vous voulez. Mais 7000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des supports de crédit dans de la pierre, c'est comme ça qu'on le sait et qu'on les a retrouvés, qui était l'équivalent de nos chèques aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y avait de la tenue de comptabilité, ce qui veut dire qu'il y avait de la fiscalité, ce qui veut dire qu'il y avait des organismes d'État royaux ou impériaux qui étaient chargés de vérifier pour lever l'impôt. Ce qui veut dire que nos services étatiques qui sont chargés de vérifier ce que l'on fait avec les biens des entreprises ont 7000 plus 2000 ans d'expérience. Donc, s'ils veulent savoir si vous utilisez le véhicule de la société en dehors de l'activité de la société, ils le sauront immédiatement. D'accord ? Oui, très gros chèque en pierre, mais vraiment très, très gros chèque. Phénicien, oui, peut-être antérieurement d'ailleurs. Je ne sais pas si ce ne sont pas les Sumériens. Je suis peut-être pas… il me semble que c'était Sumérien, mais vous pouvez vérifier sur Internet. Toujours est-il que je vous ai parlé de ça simplement pour vous dire que il est inutile d'essayer d'imaginer de gruger les services de l'État. S'ils veulent savoir si vous utilisez le véhicule de l'entreprise personne morale à d'autres fins que son activité, ils le sauront extrêmement vite. Ils le sauront parce qu'il y aura de l'entretien de véhicule, donc du kilométrage. Ils le sauront parce que vous aurez fait des factures d'essence. Ils le sauront parce qu'ils auront été interrogés, vos voisins, et de façon très anodine et très gentille, et que vos voisins auront répondu de façon très anodine et très gentille. Votre chère voisine pour laquelle vous vous serez démené pour débarrasser le sofa leur dira très gentiment « Oh, il est très sympa ». Si vous saviez comme il est gentil, il m'a aidé l'autre jour à emmener le sofa, il a utilisé la voiture de l'entreprise pour ça, parce que j'avais pas de place dans la mienne qui est trop petite. Vous voyez, ils sont vraiment armés. Ils ont 9000 ans d'expérience, ils sont armés pour trouver quand ils cherchent. Donc, l'importance de bien comprendre la notion de personne en droit, c'est vraiment ici, dans la séparation des patrimoines, et pas seulement pour protéger un patrimoine parce qu'il y a d'autres moyens, c'est bien comprendre que là, s'il y a séparation de patrimoine, c'est-à-dire patrimoine d'une personne morale, patrimoine d'une personne physique, il va y avoir une vigilance sur la façon dont on use du patrimoine de l'entreprise pour ne pas avoir de problème après sur son propre patrimoine. Parce que imaginez que vous ayez justement débarrassé le sofa de la voisine, que l'administration, quelle qu'elle soit, ou le tribunal de commerce en ait eu écho pour une raison ou pour une autre, c'est de l'abus de bien social. L'abus de bien social, c'est une escroquerie. Donc, ce n'est pas une infraction, c'est un crime. C'est donc la cour d'assises qui attend toute personne dans ce cas-là. Et la cour d'assises, ça veut dire que vous êtes jugé avec des assassins, des braqueurs, des faux-monnayeurs, et que vous risquez peine de prison et forte amende. Voilà, pour être très concret, et parce que j'ai vu en toute bonne foi des chefs d'entreprise se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, j'ai préféré aujourd'hui vous parler de la notion de personne en droit et de cette vigilance que vous devez avoir, de cette réflexion que vous devez mener sur le fait que vous créez une personne morale, vous êtes le dirigeant, l'associé de cette personne morale, mais vous n'êtes pas la personne morale et vous avez des impératifs dans la gestion de cette personne morale et des risques que vous prenez si vous n'êtes pas au fait de la loi qui les gère. Oula, je vais avoir du mal à répondre à votre question sur votre véhicule. Alors, si vous voulez, peut-être que vous pouvez faire parvenir à Jean-Michel après des questions plus précises et je vous répondrai. Mais là, on va dérouler parce que sinon, on risque de sortir du cadre. Et lorsqu'il s'agit vraiment de questions pointues sur votre projet à vous, on essaiera de le faire en aparté après. Ah oui, le petit encadré en haut, pensé à la déclaration d'insaisissabilité. Alors, dans la loi de modernisation de janvier 2019, il est prévu que la résidence principale du chef d'entreprise soit protégée, quelle que soit la nature de l'entreprise qu'il va créer. Sauf que
quand on connaît un petit peu le droit, on sait qu'il y a la loi, il y a les décrets d'application de la loi, il y a l'application de la loi, et puis lorsqu'il y a litige sur l'application de la loi, il y a la jurisprudence en trois temps, première instance, appel et cassation. Et pour arriver à des jugements de cassation, puisque c'est la cassation qui décide en dernier recours, et ensuite tout le reste se réfère au jugement de cassation pour rendre leur décision, il faut au minimum 9 ans. Donc, une loi étant passée en janvier 2019, nous n'aurons de jurisprudence de cassation que dans 9 ans. Nous ne saurons comment cette loi va s'appliquer réellement dans les faits que dans 9 ans. Alors, ce que vous pouvez faire et qui fonctionne très bien, c'est la déclaration d'insaisissabilité. Voilà. Entre la loi de 2019 et la déclaration d'insaisissabilité, vous aurez et les bretelles et la ceinture pour tenir le pantalon de l'entreprise, mais au moins, vous vous assurez que si un lâche, l'autre tiendra. La déclaration d'insaisissabilité, vous la faites auprès de votre notaire, sur votre résidence principale. Il va vous dire, oh là là, non, loi de janvier 2019, vous allez lui dire, écoutez, moi je vous paye pour un service, c'est de faire cette déclaration, vous la faites, je ne vous demande pas voilà, je vais vous payer pour ça, vous le faites. Et alors par contre, vous vérifiez vraiment bien que le notaire fait la parution au journal officiel. La Cour de cassation, la jurisprudence en Cour de cassation démontre qu'il y a retour sur la déclaration d'insaisissabilité, que ce soit en entreprise individuelle ou par ailleurs, que dans les cas où le notaire n'a pas fait la parution au journal officiel. Vous allez dire, mais c'est de la faute du notaire, c'est pas de la faute du chef d'entreprise. Si, c'est de la faute du chef d'entreprise. Le jour où vous devenez chef d'entreprise, vous n'avez plus de délai de réflexion et vous devez vérifier que vos prestataires ont fait le nécessaire pour vous satisfaire. Donc, si vous n'avez pas vérifié la parution au journal officiel, c'est vous qui êtes en faute et donc c'est votre maison qu'on vient saisir. Donc, déclaration d'insaisissabilité, c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de réfléchir au choix du statut juridique sans vous dire « Ah là là, je vais créer une société pour protéger mon patrimoine. » Parce que je viens de vous indiquer que la société peut être plus dangereuse pour votre patrimoine qu'un simple statut d'entreprise individuelle. Alors, on va venir sur la sphère privée du chef d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions à se poser et il vaut mieux se les poser avant d'avoir créé l'entreprise. Et le régime matrimonial du chef d'entreprise, marié ou pacsé, est important. Alors, vous avez, peut-être que certains d'entre vous ne sont ni mariés ni pacsés. Et ils vont dire, ah mais ben non, si on en parle aujourd'hui, peut-être qu'un jour vous imaginerez convoler. Et donc, quand vous imaginerez convoler, vous aurez déjà mené toute cette réflexion et vous saurez un petit peu où vous voulez, comment vous voulez convoler. Le régime le plus utilisé en France, 70%, c'est le régime commun, celui qu'on vous fournit lorsque vous allez à la mairie et que vous indiquez que vous voulez vous marier. Et si vous ne cherchez pas plus loin, c'est celui qu'on va vous donner, c'est celui du bien commun. Alors, il y a plusieurs régimes. Il y a la communauté universelle, il y a le bien commun, donc réduit aux acquis, il y a le bien commun réduit aux acquis, et puis il y a la séparation de biens avec contrat de mariage. Le plus commun, c'est 70%, donc c'est celui dont je vais vous parler là maintenant. Vous créez une entreprise, vous êtes marié, on va, lors des formalités de création d'entreprise, vous imposer dans certains centres de formalité d'entreprise d'obtenir de votre conjoint qu'il vous signe un document comme quoi vous l'avez informé que vous créez une entreprise. Donc finalement, c'est comme si vous lui demandiez une autorisation de créer l'entreprise. C'est la première chose qui peut paraître rédhibitoire à certains. Mais ce n'est pas anodin, c'est tout simplement que comme 70% des mariages sont faits en bien commun, dans le cas de problème dans l'entreprise, qu'il soit financier ou juridique, donc ils vont devenir financiers, on va venir se servir sur les biens propres de la personne qui a créé l'entreprise plus les biens communs du couple.
Donc, ça veut dire que, vous voyez mon petit Mickey, si c'est monsieur qui a créé l'entreprise, eh bien, l'oreille droite, enfin, oui, en face de vous, ça sera l'oreille droite de Mickey plus tout son visage, part. Voilà, défi. On est venu, on a cherché, on a pris, on vous laisse un frigo, une table, quatre chaises, un lit par personne et vos vêtements et les jouets des enfants. Pardon. Voilà, point barre. Donc, il y a toujours un risque à créer une entreprise. Il y a des moyens de mettre à l'abri le plus possible du patrimoine qu'on génère. Si on crée une entreprise, c'est pour créer du patrimoine, générer de la richesse pour soi-même, pour vivre et puis pour transmettre à ses enfants. Donc, il y a toujours un moyen juridique de le mettre à l'abri. D'accord ? Le statut juridique est à la fois un moyen lorsqu'il est bien utilisé, mais il n'est pas le seul et il ne doit pas être employé seul. Il doit être accompagné d'autres éléments juridiques. Voilà pour la famille. Donc, des questions à se poser, des questions éventuellement si vous êtes déjà marié ou paxé, discuter avec vos conjoints, conjointes actuelles pour préserver la sécurité, la sérénité de chacun des membres de la famille. Quand on crée une personne morale, tout comme quand on fait un bébé, on lui ouvre un compte en banque et on crée un patrimoine. Alors, je vais vous prier de m'excuser. Vous m'écrivez au fur et à mesure, mais j'ai du mal à vous parler et à vous lire en même temps. Alors, je vais essayer de répondre je à réponds. Deux. Tu réponds ? Je réponds à côté. Superbe. Ben, alors, c'est magnifique. Ben, voilà. Alors, quand vous mettez un bébé au monde, tout de suite, vous avez la tirelire, le compte en banque et vous songez à mettre de l'argent de côté pour ses futures études, etc., etc. On est souvent dans le même principe, dans la même volonté et dans le même fonctionnement quand on crée une entreprise. Alors, on a ou on n'a pas d'économie. Ça ne doit pas être un frein à la validation de projet. Je n'ai pas dit que c'était un frein à la création d'activité. Je dis que ça ne doit pas être un frein à l'étude, à l'analyse, à la validation de son projet. Donc, on va lui créer un patrimoine. Et bien, comment ça se fait? Voilà, comment on le fait? Ben, on met de l'argent de côté ou on réunit des associés ou on va chercher auprès de personnes de confiance ou de la famille, des gens qui peuvent apporter leur petite contribution au capital. Voilà, ou on va chercher à l'extérieur chez financeurs divers, dont la vie. Voilà. On peut créer le patrimoine de l'entreprise à partir de plein d'éléments. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, finalement, il y a des angles. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, n'impacte pas le fait qu'on va créer ou pas une entreprise, mais ça induit que le travail, l'analyse de son projet, la validation de projet va le prendre en compte pour ensuite pouvoir faire les recherches nécessaires de financement. Mais quand vous créez une personne morale ou une personne physique, vous créez forcément l'idée de créer, de lui ouvrir un capital et un patrimoine. Alors, je vais essayer d'être brève sur les tableaux financiers. Certains parmi vous les connaissent probablement, d'autres moins, et ça leur fait peur. Je vais les rassurer tout de suite. N'ayez pas peur, c'est pas les tableaux financiers, c'est comme autre chose, ça s'apprend. Tout ce qui est financier, finalement, repose sur sur votre futur bon sens, sur votre bon sens actuel. Par contre, ce qui m'intéresse là dans ce tableau, voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur la notion de personne en droit, c'est de repérer dans un bilan où se trouve le capital social. Donc, vous avez une colonne qui s'appelle actif qui est à gauche et qui va répertorier toutes les possessions de l'entreprise, pas les vôtres, celles de l'entreprise. Et vous avez une colonne à droite qui va répertorier toutes les dettes de l'entreprise. Le capital social est à droite, dans le passif, donc dans les dettes de l'entreprise. Pourquoi, selon vous ? On va reprendre une ou deux petites minutes. Pourquoi on met le capital social de l'entreprise dans les dettes de l'entreprise ?
Eh oui, merci Céline, parce que cet argent a été déposé dans l'entreprise, donc il ne lui appartient pas. Elle en use en échange de parts sociales remises aux associés. Ce qui veut dire que cet argent, la société le doit aux associés. Et si un associé veut partir, eh bien, la société, l'entreprise, va devoir rendre cet argent à l'associé. Ça fait partie aussi des questions juridiques à se poser quand on crée une société, des statuts juridiques, et on va le revoir tout à l'heure. Alors, déjà, comprendre que les associés sont des entités juridiques qui ne sont pas intégrées dans l'entreprise, une chose, que leur patrimoine n'est pas confondu avec celui d'entreprise, deux choses, le bilan vous le dit, mais la troisième chose qu'il vous dit, c'est que comme ce patrimoine qui appartient à l'associé, donc cette somme d'argent, il va falloir la lui rendre, comment on réfléchit les entrées et les sorties d'associés de façon à protéger l'entreprise de ce qui peut lui arriver dans l'avenir. Et donc, on va parler de ça également aujourd'hui. Alors, voici notre petit tableau récap qu'on a vu depuis tout à l'heure. Toujours en bleu, l'entreprise individuelle, donc personne physique, elle n'a pas besoin d'un capital d'apport, en tout cas officiellement, pour créer des statuts juridiques. Et le patrimoine du dirigeant d'entreprise et le patrimoine de l'entreprise sont totalement confondus. Pour toutes les personnes morales, EURL, SARL, SASU, SAS, etc., ce sont des personnes morales. Il y a nécessité d'un capital minimum, même si parfois on voit des sociétés se créer avec 10 euros de capital. Alors, le capital, on réfléchit son montant en fonction du niveau de crédit de confiance que ça va donner à l'entreprise vis-à-vis de ses interactions avec le marché économique. Il est évident que si vous avez des fournisseurs auprès desquels vous avez négocié du 30 jours ou du 60 jours, que ces fournisseurs vont regarder vos statuts juridiques et le montant de votre capital pour savoir s'ils peuvent vous faire confiance ou pas, si vous avez un montant de capital à 100 euros, ils vont vous dire, ben non, vous nous payez là au moment où vous passez la commande, hein, ou au moment de la livraison. Si vous avez 10 000, 50 000 ou 100 000 euros de capital, ils vont se dire, bon, elle a l'air insolite, cette entreprise, même si le capital est investi par ailleurs, hein. Mais en tout cas, les associés ont fait suffisamment d'efforts dans l'entreprise pour ne pas la voir disparaître du jour au lendemain, et donc on va pouvoir faire plus confiance. Donc, le montant du capital génère de la confiance. Le patrimoine des personnes morales est totalement séparé du patrimoine des dirigeants et associés de l'entreprise. Donc là, on reprend un petit peu nos statuts juridiques, le I, le IRL, le URL, vous les avez vus, hein, la SARL, la SASU, la SAS, la SA. En général, quand l'entreprise atteint une certaine taille, plus de 7 associés, et quand on a une idée à un moment ou à un autre de la faire rentrer au CAC 40, ensuite vous avez toutes les sociétés civiles ou les sociétés pour des typologies d'activités particulières comme les SELARL pour les professions libérales, les SCI, sociétés civiles immobilières, les SCP, sociétés civiles professionnelles, les SCM, sociétés civiles de moyens, bien évidemment ces sociétés, la première pour gérer de l'immobilier, la deuxième pour mettre des compétences professionnelles en commun, la troisième pour mettre des moyens en commun. Mais tout ça, c'est assez facile à retrouver, vous retrouverez facilement. Alors, questions à se poser à partir du moment où on a déterminé si on allait créer son entreprise tout seul ou si on allait être au moins deux. Deux, ça veut dire deux entités juridiques plus l'entité de l'entreprise. Donc, il y a un minimum de questions à se poser sur son ou ses associés, mais qu'il doit se poser sur vous. Hein, vous avez un associé, mais vous êtes l'associé de cette personne. Donc, les choses, ce que vous devez bien comprendre, c'est que quand vous allez créer une entreprise, l'associé est dans la même position que vous, il va partager les échecs, les succès de l'entreprise.
Les succès vont avoir un impact positif sur sa propre vie, mais les échecs risquent d'avoir un impact négatif sur sa propre vie. Donc, il faut se mettre à sa place, tout comme il est censé se mettre à la vôtre, et se dire, j'ai peut-être une femme, des enfants, priorité pour les faire vivre, les faire manger, etc., etc. Donc, comment je fais pour m'assurer un minimum de sécurité? C'est cette réflexion qu'il faut mener quand on va s'associer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Première question, est-ce que l'activité nécessite vraiment d'être au moins deux, voire plus? Et question qui va tout de suite arriver derrière, activité est-elle capable de rémunérer autant de personnes? Voilà, et les rémunérer en fonction d'un besoin minimum vital, au moins au départ. Donc ça, ce sont deux questions vraiment fondamentales. Vous pouvez très bien avoir l'habitude de collaborer avec une autre personne, être complémentaire sur des compétences, avoir réfléchi à l'idée d'une société, puis vous dire non, chacun va créer une entreprise unipersonnelle ou personne physique, mais nous allons signer un contrat de collaboration et pouvoir travailler ensemble de façon totalement légale. Voilà. Et ça n'induit pas que vous soyez obligé de créer une société pour travailler ensemble. Par contre, vous pouvez très bien être deux entités, deux personnes physiques qui travaillent régulièrement ensemble, qui est obligé de construire et de signer un contrat de collaboration. Et à un moment, s'il y a un problème sur une de vos prestations, être poursuivi ensemble et donc à ce moment-là, être requalifié en société de fait. Auquel cas, vous aurez encore plus de problèmes que si vous n'aviez pas construit de société ou de contrat de collaboration. Donc, ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, et je crois que vous êtes en train de le comprendre, c'est que vous avez des milliers de solutions devant vous, que chacun de vos cas est particulier personnel, et ne vous limitez pas à la réponse toute simple qu'on va vous agiter devant le nez. Essayez de creuser. Posez-vous toutes ces questions, essayez de trouver des réponses à toutes ces questions et vous aurez probablement la meilleure solution pour vous mettre à l'abri. Alors, la deuxième question, c'est votre associé et vous, avec vous, montez le projet intégralement ensemble. Est-ce que vous avez eu l'idée ensemble et puis vous y travaillez ensemble depuis le début ou est-ce qu'il y en a eu un qui a eu l'idée, qui en a parlé autour de lui, puis un jour, il a croisé une personne qui a dit « Ton projet m'intéresse, je voudrais bien y travailler avec toi éventuellement. » Voilà. On ne va pas avoir, je ne parle pas de niveau d'implication encore que, mais ça va résonner de façon personnelle, de façon différente pour chacun des associés. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Et là aussi, il faut peut-être mettre en place un petit peu de regard empathique sur les associés pour essayer d'estimer la valeur de l'implication de chacun, du temps de chacun, de la créativité de chacun. Êtes-vous d'accord sur les grandes lignes du projet? Question récurrente. Alors, nous, on travaille beaucoup en quartier prioritaire. On travaille avec parfois des très très jeunes et on a cette réflexion, on est d'accord, hein, toute manière on se connaît depuis tout petit, on habite sur le même palier, on a partagé la même tétine, on m'en a parlé l'autre jour dans l'escalier en passant, on est tout à fait d'accord sur le projet. Être d'accord sur les grandes lignes d'un projet, ça veut dire s'être mis autour de la table régulièrement, sérieusement, longuement, avoir posé le modèle économique, s'être mis d'accord sur le modèle économique, se mettre d'accord sur les aspects juridiques, se mettre d'accord sur le positionnement stratégique de l'entreprise, avoir donc regardé tous ces aspects pour qu'il n'y ait pas a posteriori des quiproquos parce qu'on avait pensé qu'on avait compris la même chose. Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde.
Avez-vous déjà travaillé ensemble? Moi, j'adore cette question parce que elle est à la fois excellente et très mauvaise. Alors, j'ai eu des porteurs de projets qui m'ont dit, bien sûr, ça fait 10 ans qu'on travaille dans la même entreprise et on se retrouve 2 fois par jour autour de la machine à café. Non, vous n'avez pas travaillé ensemble. Elle veut tout dire, elle veut rien dire cette question. En fait, cette question, ce qu'elle demande, c'est est-ce que vous vous interrogez, est-ce que vous vous entre-interrogez sur votre mode de fonctionnement dans le travail, sur votre complétude mutuelle, sur votre aptitude à accepter de l'autre qu'il ne soit pas parfait, ou alors, et donc, sur qui va faire quoi, comment, sur quel territoire. Et comment on fait pour interagir, se tenir au courant, sans empiéter sur le territoire, les prérogatives, les compétences de l'autre. C'est le meilleur moyen de garder d'excellentes relations dans le cadre d'une société. Comme je vous l'ai dit, créer une entreprise, ça impacte, ça implique beaucoup plus de choses que travailler simplement ensemble. Quel est mon apport dans l'entreprise? Oui. Il va y avoir tout ce que vous allez réfléchir, mettre en place. Il va y avoir votre apport financier. Il va y avoir votre apport en compétences. Peut-être des apports en nature. Qu'est-ce que vous apportez? Écrivez-le. Écrivez-le chacun de votre côté. Et ensuite, mettez ça en commun et mettez-vous d'accord sur ce que chacun apporte. Mais mettez-vous d'accord réellement, concrètement. Et écrivez-le. Écrivez-le, peut-être dans les statuts, peut-être dans le pacte d'associés, mais écrivez-le. Qu'il n'y ait pas après, ou de bonne foi ou de mauvaise foi, une remise en question de tout ça. Parce que c'est là que les soucis commencent. Pourrez-vous prendre les décisions qu'il faut? Ça, c'est une excellente question. C'est une question essentielle, même s'il n'y paraît pas. Je dirais même que c'est une question vitale pour l'entreprise. C'est peut-être une question à noter immédiatement dès le début du projet sur une feuille de papier. On se connaît, généralement, on se connaît pas entièrement. Ne me fais pas dire ce que je vais dire, mais on se connaît. On sait si on est capable de prendre des décisions facilement ou difficilement. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'entreprise et le poids, le stress, l'angoisse de la prise de décision dans le cadre de l'entreprise. Par contre, dans la vie de tous les jours, on sait comment on réagit au stress dans la prise de décision. Est-ce qu'il est, et là, c'est là que vous allez devoir mener une réflexion, est-ce que je veux à tout prix le pouvoir? Auquel cas, je m'interroge sur mon aptitude à prendre des décisions et à les prendre parfois extrêmement rapidement. Et si je sais que je n'en suis pas capable, est-ce qu'il est nécessaire que j'ai le pouvoir? Parce que est-ce que je préfère que l'entreprise vive et survive, même si un autre prend à certains moments des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord? Ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'entreprise mourra parce que je ne suis pas capable de prendre des décisions, mais j'ai pris la place de celui qui doit décider rapidement? Voilà, ça pour moi, c'est une réflexion fondamentale que des associés doivent mener à la fois individuellement et en même temps, sur d'autres temps, collectivement, pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'élire un chef, il s'agit de choisir celui qui pourra prendre les décisions, qui saura les prendre. Et pas seulement au niveau compétences, mais aussi posture. Avez-vous défini des rôles? Êtes-vous complémentaires? J'ai commencé à l'aborder dans « Avez-vous déjà travaillé ensemble ?» On est toujours dans cette logique. Les trois questions sont dans la même logique. Nous ne sommes que des êtres humains avec nos qualités, nos défauts. Si nous ne posons pas tous ensemble nos qualités, nos défauts, mais aussi le territoire sur lequel on souhaite travailler dans l'entreprise, où on peut travailler dans l'entreprise, où on veut travailler dans l'entreprise, si on ne définit pas de limite, comment objecter à un moment ou à un autre que tel
ou tel ne viennent pas prendre des décisions qui contreviennent, etc. Vous allez me dire, c'est logique, c'est une question d'organisation. Écrivez-le parce que là, vous êtes dans une personne morale. Donc, écrivez-le dans le pacte d'associés. Qui fait quoi, quand, comment et où? Voilà. Nous restons avant tout des mammifères conduits par certains instincts, dont le premier est celui de la préservation. Et vous verrez que en période de crise, et toute entreprise passe des périodes de crise, c'est cet instinct qui refait surface. Même si en animaux civilisés que nous sommes, que nous pensons être, en fonction de la philosophie de chacun, on imagine qu'on pourra maîtriser tout ça. Ce n'est pas vrai. On ne maîtrise pas si on n'a pas prévu. Les personnes morales. Alors, attention, ici, vous ne retrouvez pas l'entreprise individuelle parce que c'est une personne physique. Là, je parle uniquement des personnes morales. Deux entreprises, deux statuts pour les personnes morales avec un seul associé, la SASU, le URL. Trois statuts répandus, il y en a d'autres, mais répandus, très utilisés, pour deux associés à sept associés, la SARL, la SAS et la SA. Hop. Alors, j'insiste lourdement, le statut doit être explicite, d'accord ? On s'est mis autour de la table et on a discuté, comme je viens de vous l'indiquer, de beaucoup de choses. Et on a posé beaucoup de choses. On a posé beaucoup de choses dans les interactions entre associés. Mais il faut aussi poser beaucoup de choses sur la nature, l'identité, l'adresse, le lieu où va vivre cette entreprise. Donc, choisir le statut, SA, SAS, EURL, peu importe, mais s'asseoir, choisir le ou les statuts, choisir la dénomination d'entreprise, je ne dis pas la marque, je suis en train de dire la dénomination de l'entreprise, son nom. Voilà. Coca-Cola, c'est une marque. Si vous remontez dans les différents statuts de l'entreprise, je vous fiche mon billet que auxquels appartiennent les majorités de parts ne s'appellent pas du tout Coca-Cola. D'accord ? Donc, comment on appelle la société ? Bon, là, je vous ai mis Coca-Cola ou Cola-Coca, peu importe. Mais on ne confond pas la marque et le nom de la société. Où voulez-vous fixer le siège de l'entreprise? Et ça, c'est aussi une question extrêmement importante. Je veux le fixer à La Rochelle parce que comme ça, je serai plus près de la mer, l'air est plus sain, iodé, je serai moins souvent malade, etc., etc. C'est une solution et pourquoi pas? Maintenant, si vous avez bien étudié votre modèle économique, vous avez ciblé vos clients, vous avez ciblé vos fournisseurs, vous savez où ils se trouvent. Et si vous vous installez à La Rochelle alors que vos clients se trouvent à Strasbourg, à Munich ou à Stockholm, vous allez devoir gérer certaines difficultés. Donc, les choses se réfléchissent en cohérence. Voilà, grosso modo. Et puis, éventuellement, votre clientèle est à La Rochelle et je vous le souhaite. Et vous allez travailler dans un lieu de villégiature. Alors, il y a des mentions légales minimum en fonction des statuts. Voilà. Pour toutes les sociétés, toutes, sans exception, et je pense que c'est ça que vous devez noter aujourd'hui, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails SARL, SAS, SA, parce que vous ne pourrez choisir véritablement qu'au moment du business plan financier, parce que vous allez faire des simulations d'impact financier. Mais en tout cas, sachez que d'ores et déjà, vous pouvez peut-être travailler sur l'apport de chaque associé, sur la forme éventuellement de la société, sur l'objet social de la société. Donc, on revient aux activités de la société, sur son objet social. Donc, je viens de le dire, pardon, sur son appellation, sa dénomination, sa raison sociale. Donc, sur son nom, sur son siège social, donc le lieu où on va s'implanter, sur le montant du capital de la société, sur sa durée, et oui. Les sociétés ne sont pas éternelles. Elles sont en général
dans la majorité des cas, créée pour 99 ans. Et puis, lorsque l'entreprise va avoir, la société va avoir 95, 96 ou 97 ans, les associés en place à ce moment-là modifient les statuts pour lui redonner 90 nouvelles années d'existence. Les modalités de son fonctionnement. Mais attention, attention, attention. Et c'est là qu'il faut vraiment s'adresser, si besoin est, à de vrais juristes. De vrais juristes. Hein, des gens qui ont fait des études juridiques, pas des conseillers, experts comptables, etc. Des vrais juristes. Les modalités de fonctionnement de l'entreprise, c'est vraiment là aussi très important. Pourquoi ? Il y a un certain nombre de choses à mettre. Et ça, vous allez le retrouver dans tous les statuts juridiques. Mais souvent, les chefs d'entreprise veulent très bien faire et ils écrivent beaucoup dans leur statut juridique. Ils mettent les choses trop précisément. Or, que se passe-t-il si vous vous retrouvez devant une juridiction à un moment ou à un autre? Les juges qui vont devoir statuer vont se positionner sur vos écrits et donc vos statuts juridiques pour prendre des décisions. Si vous avez écrit trop précisément les choses, vous ne laissez pas à un juge la liberté de faire un choix juste. Vous l'obligez à imposer quelque chose, même si ce sur quoi il est en train de prendre une décision, vous ne l'aviez pas prévu, et qu'à ce moment-là, ce que vous avez écrit va obliger le juge à rendre un jugement inéquitable vis-à-vis d'un ou des autres associés, etc. D'accord ? Donc, je vous en supplie, avant d'immatriculer, vous avez la possibilité d'avoir accès à des juristes extrêmement compétents gratuitement. Cherchez, vous trouverez, mais faites vérifier vos statuts juridiques sur les modalités de fonctionnement de la société. Ne soyez pas trop précis là-dedans. Et en même temps que vous créez les statuts juridiques, pensez à faire un pacte d'associés à côté où vous allez mettre les choses précises. Un pacte d'associés, c'est quelque chose de secret qui est entre les associés et qui peut ne pas être présenté devant un juge. Voilà. Alors après, vous avez une déclinaison des obligations pour la SARL, la SA, la SAS. Vous pourrez retrouver ces informations très facilement au moment où vous aurez choisi vraiment le statut juridique qui vous intéressera. Règle de répartition des parts sociales. Je crois que là, l'image est explicite. Si rien n'est prévu, il y a de fortes chances qu'au bout de quelques temps, ça peut être des mois, ça peut être parfois des années, on se retrouve dans la configuration de gauche à se battre. Et souvent, ça en vient aux mains. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est des adultes qui avons créé une entreprise qu'on n'en arrive pas à des situations de stress et d'angoisse qui nous mènent à ce genre de choses. Ou alors, on prévoit les choses à l'avance et on limite les problèmes. En fait, le droit, c'est ça. La connaissance du droit, c'est ça. C'est comment je limite le plus possible les risques. On ne les limite jamais complètement. On ne pense jamais à tout. Mais par contre, au fur et à mesure des siècles, il y a des expériences qui ont fait que des choses se sont mises en place. Et donc, vous pouvez trouver les moyens de limiter les problèmes grâce à l'expérience accumulée au fil des siècles, dans la loi et dans la façon de procéder et de poser les choses. Donc, limiter les problèmes, la première des choses, c'est limiter les pouvoirs du gérant ou des gérants. Ça, c'est la première des choses à faire. Les limiter dans les statuts, éventuellement sur certains aspects qui sont un peu moins courants, dans le pacte d'associés si les gérants sont des gérants associés. L'obliger à faire une demande préalable pour certains actes importants. Alors,
vous allez très vite comprendre, avec un exemple tout simple, ce dont je suis en train de vous parler. Imaginons que vous ayez créé une société qui fonctionne bien. Vous avez un gérant associé qui est là depuis la naissance de la société, ça fait 10 ans. Il l'a très, très bien gérée, elle s'est développée. Vous êtes ravis en tant qu'associé parce que chaque année, on vous reverse du bénéfice. Tout se passe très, très bien. Et puis, un jour, notre gérant ou un des gérants pète un câble pour X raisons, va voir 15 banques ou fournisseurs d'argent ou même 20, demande à ces 15 ou 20 banques un crédit de 150 000 euros à toutes en même temps, les fait débloquer à toutes en même temps, prend l'argent et se barre aux Bahamas avec la jolie jeune femme qu'il vient d'épouser pour prendre sa retraite. Que se passe-t-il ? Ben oui, les banques vont se retourner contre la société pour être payées. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas limité les pouvoirs du gérant, ben tant pis pour vous. Il est dans un pays où il n'y a pas d'extradition, ben tant pis pour vous. D'accord ? Voilà, donc prévoyez, il y a suffisamment d'antériorité dans l'expérience humaine et dans l'expérience d'entrepreneuriat pour que si vous ne pensez pas à tout pour vous-même, des choses vous alertent et vous permettent d'y penser. Dans la répartition des parts sociales, il y a ce que j'appelle la majorité de déblocage. Alors, dans la vie de tous les jours, on est pour l'égalité, l'égalité par-ci, l'égalité par-là. D'accord, ok. Là, on va créer une société, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein? On est dans, si nous nous plantons, on va avoir un retour de bâton sérieux qui risque de durer sur nous et voire sur plusieurs générations. Donc, comment on fait pour se mettre à l'abri? Comment on fait pour prendre des décisions? Et cette mode qui veut que, souvent, deux associés fassent 50-50% des parts, moi, ça me laisse sans voix. Très honnêtement, ça fait 30 ans que je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. Cette mode du 50-50, ça me laisse sans voix. 50-50, ça veut dire que si à un moment, il arrive quelque chose dans l'entreprise, que vous n'êtes pas d'accord entre les deux associés, eh bien, tout se verrouille. Et le temps que des tiers disent qui doit prendre la décision, etc., il va passer 2-3 ans, vous aurez fermé les portes. Donc, je vous l'ai dit, ça revient aussi à la question tout à l'heure. Est-ce que je suis capable de prendre des décisions en stress, en angoisse, des décisions qu'il faut pas, on peut se tromper, peu importe, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse décider à un moment. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait 51% des parts. Voilà, ça n'a rien à voir avec la répartition des bénéfices, ça a à voir avec l'aptitude à faire vivre l'entreprise même quand on n'est pas d'accord. Le tout, c'est de rentrer au moins dans son argent, dans son capital à un moment ou à un autre, de ne pas perdre, de ne pas tout perdre. Comment on peut décider de la règle de répartition des parts sociales ? Ou alors, autre question, comment avantager un associé parce qu'il s'est plus impliqué ou parce qu'il est arrivé avant ou parce qu'il a plus travaillé ou parce qu'il a été plus créatif. Prenons ici l'exemple d'un film, Johnny Depp. En 2015, il a l'idée d'un film, il travaille sur un scénario, il choisit le bon titre de film, etc., etc. Et puis, en 2016, il croise Tom Cruise sur un tapis rouge dans un festival quelconque. Il en parle à Tom Cruise, qui dit « Waouh, cool, j'adore ton idée !» Vous savez comment on sait faire dans le monde des artistes. À mon avis, ils sont beaucoup plus businessmen que ça. Ça, c'est l'image qu'ils donnent. Et Tom Cruise se met sur l'affaire et travaille avec Johnny Depp. Et puis, ils sont au niveau de la réalisation, ils ont fait passer des castings, ils l'ont fait passer à Ryan Gosling, ils l'ont sélectionné pour le premier rôle, et il y a Ryan Gosling leur dit ben moi je suis intéressé par plus que le premier rôle, je voudrais vraiment prendre des parts dans ce film parce que j'y crois vraiment. Bien, vous êtes d'accord? On regarde la courbe de temps, on regarde le travail de chacun, on regarde l'implication de chacun. Ryan Gosling, il est déjà payé pour son boulot d'acteur.
On peut considérer qu'au niveau de son investissement personnel, il est bien en deçà de Tom Cruise et encore plus de Johnny Depp. Donc, comment on fait, au-delà des apports financiers, pour valoriser le travail de Tom Cruise et celui de Johnny Depp et pour le prendre en compte dans le cadre de ce film? Ben, y a plusieurs façons de procéder. Ben, y a le fait de prévoir quelques parts sociales qui vont être allouées en fonction de ces investissements. Il y a aussi la notion de marque. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, la société n'a pas forcément le nom de la marque. Et si j'ai été tellement insistante, c'est parce qu'il vaut mieux que la société n'ait pas le nom de la marque. La marque, c'est une chose, c'est un produit, c'est un moyen de pression. C'est aussi un travail créatif réalisé par une ou deux personnes. Mais en tout cas, l'idée, c'est une personne qui l'a vu, elle n'est pas née en même temps dans deux cerveaux. Donc, la marque, ça peut être le moyen, un, d'avantager l'associé qui a été créatif, imaginatif, etc. Ça peut être aussi un moyen pour l'associé qui a beaucoup travaillé, comme Johnny Depp, en déposant les marques à son nom propre, et pas au nom de la société, ce qui serait une calamité, d'en garder la propriété et de signer une licence de marque avec l'entreprise pour son utilisation et donc d'être rémunéré de façon complémentaire pour cette partie du travail qu'il aura faite. D'autre part, ça va le préserver également. Imaginons que si on était parti sur une répartition de capital uniquement sur des aspects financiers, que Ryan Gosling y ait mis 1 million d'euros, que Tom Cruise y ait mis 250 000 euros et que Johnny Depp y ait mis 150 000 euros, qui est majoritaire? C'est Ryan Gosling. Bon, et Ryan Gosling, il dit à un moment, bah, Johnny Depp, maintenant je récupère ton idée et bye bye, tu te casses. Je vais mener le film comme je l'entends. Et Johnny Depp lui dit, bon bah, d'accord, je me casse, mais je suis propriétaire du scénario, du nom de film, donc de la marque, et je les emmène avec moi et je vais refaire toute la dernière partie du travail ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Tu viens avec moi ou tu ne viens pas avec moi? Voilà, d'accord? Donc, il y a des moyens, de se mettre à l'abri, de se protéger, et il y a des moyens aussi d'être juste vis-à-vis des associés qui ont investi en amont de la création d'activités. Rapports internes, rapports externes, donc je vous le disais, alors là c'est une liste vraiment non exhaustive, hein. Vous avez une infinité de solutions qui vont faire de votre entreprise au niveau juridique une entité unique. De toute manière, elle est constituée d'associés qui sont des entités humaines et en même temps juridiques uniques. Et elle est elle-même une entité juridique unique. Donc, vous avez pléthore de solutions pour vous protéger personnellement, protéger votre bulle juridique, 2, protéger la bulle juridique de l'entreprise, 3, réfléchir les interactions juridiques entre les éléments internes et externes de l'entreprise. Les associés sont à la fois internes et externes. Les dirigeants, les gérants sont à la fois internes et externes. Mais vous allez aussi travailler avec des clients, avec des fournisseurs, avec l'administration, etc. Donc, tout ça, avec des partenaires, avec des prescripteurs. Donc, tout ça, vous avez tous les outils, tous les moyens de le faire sans juste tout mettre dans les statuts juridiques ou vous contenter de statuts juridiques en pensant que vous serez protégé. Aucun statut juridique ne protège. Voilà. Ni l'entreprise individuelle, ni les personnes morales, ce n'est pas vrai. Donc, pour travailler en bonne intelligence, en interne et en externe, ben, en interne, vous avez le pacte d'associés qui va vous permettre de prévoir les clauses de non-concurrence pour des associés qui partiraient, les clauses de préemption sur les parts sociales, les clauses de sortie d'associés, imaginez qu'un associé parte, vous n'ayez pas prévu comment il revend ou comment vous rachetez ses parts pour les revendre après et qu'il les vende à votre principal concurrent. Ah, ça veut dire que vous faites rentrer un loup dans la bergerie. Les clauses d'inaliénabilité et les clauses d'agrément, en fait, tout ça, vous pourrez rentrer dans le détail après. Les contrats de partenariat, je vous disais, vous êtes peut-être en train d'imaginer de créer une société
Alors que vous pourriez mener vos activités en entreprise individuelle, chacun de votre côté, et créer un contrat de partenariat qui vous mettrait à l'abri d'être à un moment ou à un autre qualifié de société de fait et qui vous autorise à travailler en fonction de ce contrat de partenariat extrêmement librement, mais qui limite les risques si l'un ou l'autre commet une faute professionnelle ou s'endette vis-à-vis de l'autre. Contrat de travail des fondateurs, la norme, la réglementation, les redevances d'exploitation, etc. Voilà, vous, vraiment là, vous avez vraiment très peu par rapport à tout ce qui existe. Alors, à votre bon cœur, amusez-vous, le droit, c'est rigolo. On reprend notre petit tableau récap. Donc, les entreprises individuelles, un créateur, les EURL, les SASU, un associé, les SARL, au moins 2 et jusqu'à 7, les SAS, au moins 2 et jusqu'à 7, au-delà de 7, on est sur la SA. Ah, quand on choisit des statuts juridiques, et c'est là que ça fait peur, souvent, ça implique des régimes sociaux et des régimes fiscaux. Et donc là, on se dit, waouh, administration, payer des gains, comment ça va impacter l'entreprise? Alors déjà, on s'interroge sur ce qu'on paie et qui le paie réellement. Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Donc, pour comprendre, on remonte à la source. Le régime social est à gauche, tout ce qui tient du social est à gauche, tout ce qui tient du fiscal est à droite. Pour la protection sociale, ça va couvrir les allocations familiales, la maladie, la retraite, la validité d'essai et les indemnités journalières. Pas dès que vous êtes malade, mais après c'est à regarder, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qui va être du régime social. Et là, c'est le chef d'entreprise qui paye les cotisations sociales, ou le gérant, c'est le chef d'entreprise. Les impôts servent à payer certaines institutions publiques. Voilà. Donc, on vient vous prélever des sommes et elles vont aller à des endroits très précis. Ils sont prélevés, en ce qui concerne les impôts, par 4 institutions publiques. 5, pardon. On va jouer un petit peu, vous et moi. 5 institutions publiques. Donc, si on part de la plus petite, la commune, la communauté de communes, donc vos impôts locaux, la région, toujours les impôts locaux, le conseil général, toujours les impôts locaux, et puis l'État, donc vos impôts, voilà, moins locaux. Mais il y en a une cinquième. Allez, trouvez la cinquième. Cinquième institution à laquelle on contribue. Je vous laisse une ou deux minutes. Stéphane est en train de me répondre. Denise aussi. Ah, Stéphane nous dit, vous pouvez essayer les cliniques de droit, c'est gratuit. Merci Stéphane. Allez, je vous réponds. Donc, la cinquième institution, c'est l'Europe, bien sûr. On vient juste de voter. Et qu'est-ce qu'on paye à travers ces impôts qui sont prélevés? Ben, on va prélever l'éducation nationale, la formation. Et on va payer l'armée et la justice. Alors, vous allez me dire, l'Europe, ben, au niveau de la formation et de l'éducation nationale, eh bien, l'Europe finance et donc prélève une toute petite part. C'est vrai que tout le reste, ben, c'est surtout au niveau des administrations territoriales et de l'État que ça se paye. Et là, c'est l'entreprise qui paye. Donc, tout ce qui va être du régime social, c'est le chef d'entreprise qui paye. Tout ce qui va être des impôts, c'est l'entreprise qui paie. Pour le régime social, en France, il existe 2 grands régimes sociaux. Celui du travailleur non salarié et celui de l'assimilé salarié. Donc, on va dire TNS ou AS. Pour le régime du travailleur non salarié, c'est ce qui correspondait à l'ex-RSI et qui correspond aujourd'hui à la Sécurité sociale des indépendants. C'est l'URSSAF qui appelle à cotisation
Et il n'y a pas de fiche de paie, hein, c'est le chef d'entreprise. Il y a des cotisations qui peuvent être appelées et prélevées en fonction du régime que vous allez choisir, du sous-régime, qui vont être ou mensuels, ou trimestriels, ou annuels. Par exemple, dans l'entreprise individuelle, le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur, et ce n'est pas un statut juridique, c'est un régime social. Donc, dans l'entreprise individuelle, le micro-entrepreneur, l'auto-entrepreneur, lui, va pouvoir choisir s'il va payer ses cotisations au mois ou au trimestre. En régime normal, vous allez être appelé à cotiser trimestriellement ou annuellement. Voilà. Si c'est annuellement, vous allez devoir vous acquitter de forfait. On ne rentre pas dans les détails, hein, sinon je vais vous emmêler. Le taux moyen de cotisation est de 45%. C'est peanuts. Vous avez déjà vu dans les rues, à la télévision, au journal, ces grosses manifestations avec des indépendants. On paye trop de charges sociales, on paye trop de charges sociales. Ils ne payent pas trop de charges sociales. Mais par rapport à leur chiffre d'affaires, la fiscalité et les aspects sociaux pèsent trop lourd, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais comparativement à un salarié, 45%, ce n'est pas la moitié de charges sociales du bulletin de la rémunération, enfin, de ce que l'on paye, de ce qu'une entreprise paye pour un salarié. Alors, parmi vous, je pense que tout le monde a été salarié à un moment ou à un autre. Tout le monde a eu une fiche de salaire. Tout le monde a vu ce beau brut qui lui faisait de l'œil en bas. Ce net un peu moins engageant en bas à droite qui allait atterrir sur le compte. Et s'est dit, zut, je préférerais avoir le brut. Bon. Et tout le monde a bien compris que tout ce qui était prélevé entre-temps, c'était les charges sociales par salarial que l'entreprise versait à l'État. Par salarial. Ça veut dire que l'entreprise s'acquitte aussi de charges sociales par patronat. Considérez à peu près actuellement en France que pour un salarié qu'on va rémunérer 1 000 euros net par mois, l'entreprise va sortir en charges sociales par salarial et par patronal 1 000 euros. Ce qui veut dire que 43% ou 45%, on est largement en dessous de ce que l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé a sorti pour vous employer. D'accord ? Donc non, ils ne payent pas trop d'impôts ou trop de charges, mais par rapport à leur aptitude à générer du chiffre d'affaires et de la marge, ils payent trop de charges sociales. Et donc, ils ont probablement mal calculé leur marge. Voilà. Ou alors, les prix sont trop tendus sur le marché pour qu'ils fassent une marge suffisante. Assimiler salariés, donc là on va être dans la SASU et on va être dans le gérant majoritaire de SARL et dans la SAS. Je vous dis une bêtise, non je ne vous dis pas de bêtise, je vous dis bien ça. Donc là on est dans le régime général. Ça va fonctionner un petit peu comme de l'assimilé salarié. Donc, vous allez avoir une fiche de salaire tous les mois et vous allez être chargé à hauteur de 80% du net. Voilà, vous voyez, l'explication que je viens de vous donner juste avant, elle vous fait comprendre. Alors, pourquoi 80% du net et pas 100% comme n'importe quel salarié ? Ben, c'est la loi, hein. Vous avez vu, la loi est extrêmement précise en termes de mots, de sens des mots. Une virgule change le sens d'une phrase et ce n'est pas juste pour faire beau qu'on dit ça, c'est la vérité. Assimilé salarié, vous n'êtes pas salarié. Vous êtes assimilé salarié. 80%, vous allez cotiser pour tout sauf pour le chômage. Voilà. Donc, 20%, ça correspond aux cotisations qui auraient dû être versées aux organismes pour, à un moment ou à un autre, vous couvrir pour le chômage. Il n'y a pas de minimum à régler puisque c'est calculé sur vos prélèvements et la couverture est équivalente à celle des salariés. Pour les travailleurs non salariés, on le dit,
Voilà, parce qu'il faut le dire, il faut enrober les choses. Il va falloir vraiment y être très attentif au niveau de cette couverture et de tout ce qu'on imagine dans la couverture, parce que on a parfois quelques surprises. Donc synthétiquement, travailleurs non salariés à gauche, les entreprises individuelles, dans les entreprises individuelles, je le rappelle, ça c'est le statut juridique, vous avez plusieurs régimes. Vous avez celui de l'auto ou micro-entrepreneur, vous avez celui du réel simplifié, vous avez celui du réel normal. Donc, si vous avez dans l'idée de créer une micro-entreprise ou une auto-entreprise, vous êtes sous le statut juridique de l'entreprise individuelle. Donc, vous ne devez pas vous annoncer en tant que micro-entrepreneur. C'est comme si moi, je vous demandais votre carte d'identité, que vous me tendiez votre carte vitale. Voilà, vous êtes une entreprise individuelle et pour tout ce qui va être social ou fiscal, vous allez être dans le régime du micro-entrepreneur ou de l'auto-entrepreneur. Donc, travailleurs non salariés, on fait un petit répétita. EIRL, EURL, SARL gérant majoritaire. Pour les assimilés salariés, SARL gérant minoritaire, SAS et SASU. Voilà. À gauche, le coût est modéré, la couverture est extrêmement mauvaise. Les décaissements peuvent être exigés même sans revenu, en tout cas dans le réel simplifié, le réel normal. Pour le micro-entrepreneur, c'est fonction des encaissements, pas du chiffre d'affaires, attention, des encaissements. Pour les assimilés salariés, le règlement se fait tous les trimestres. C'est facile à calculer parce que c'est calculé dans vos fiches de salaire tous les mois. Il n'y a pas de minimum puisque ça va être fonction de vos prélèvements. Donc, si vous ne vous payez pas les premiers mois, il n'y en aura pas. Il y a une prévoyance comme pour les salariés. Le coût est donc bien plus élevé. Le formalisme est plus fort, plus lourd, puisque vous devez avoir des fiches de salaire, vous devez faire des déclarations en bonne et due forme au niveau des compléments des fiches de salaire, etc., etc. Mais la couverture est assimilable et est la même, sauf pour les indemnités Pôle emploi, je le rappelle, est assimilée à celle des salariés. Quand on réfléchit au régime social, il ne faut pas oublier, surtout quand on va créer une entreprise individuelle ou même une société, si on a de façon régulière l'aide d'un conjoint, officiel ou officieuse, il vaut mieux la rendre officielle, il y a pour ce conjoint plusieurs statuts possibles, même si on lui… Alors, dans le dernier cas, on lui versera un salaire, mais pour les deux premiers cas, il n'y aura pas de salaire versé. Donc, vous avez le statut du conjoint associé. Il a des parts dans la société, il participe au conseil d'administration et il n'a aucune autre responsabilité dans la société, sauf si à un moment, on lui a donné des responsabilités de gérant, mais il sera en responsabilité gérant. S'il n'est pas gérant, s'il veut dire, il a des parts sociales. Il participe au conseil d'administration, point barre. Ensuite, vous avez le conjoint collaborateur. Donc là, typiquement, c'est l'épouse d'agriculteur ou l'époux d'agricultrice qui aide à la ferme tous les jours en nettoyant les tables en aidant à ranger une chose ou une autre. Voilà, elle participe ou il participe tous les jours. C'est aussi la conjointe de l'artisan. L'artisan est derrière, il fabrique son pain, son pâté de foie, etc. Et elle est dans la boutique et elle vend ses miches. Voilà, elle travaille, elle n'est pas payée. Et elle est là du matin au soir. C'est la même chose pour la conjointe de profession libérale, souvent réglementée d'ailleurs. Monsieur est dans son cabinet, il ausculte, etc. Et madame gère les patients, les clients, le fichier, les rendez-vous, etc. etc.
il est important de donner un statut officiel à ce type de conjoint parce que ces 15 à 20 dernières années, on a vu arriver à la retraite et post-retraite dans les chambres consulaires et chez les opérateurs des personnes âgées, très âgées, souvent des femmes, parce que je suis désolée messieurs hein, qui êtes derrière, mais nous vivons 5 ans de plus que vous et l'écart ne fait qu'à s'agrandir. Il semblerait que votre possibilité de vivre vieux se réduise alors que la nôtre augmente. Et donc, ce sont des femmes souvent qu'on a vu arriver, mais aussi des hommes, qui avaient travaillé avec leur conjoint toute leur vie, qui n'avaient pas été déclarés conjoints collaborateurs, pour lesquels aucune cotisation n'avait été versée et qui n'avaient pas de retraite, puisque c'était sur le chef d'entreprise que la retraite arrivait. Donc, on s'est retrouvés avec des femmes dans l'agriculture. Moi, j'ai vu des femmes de 90 ans, de 95 ans, être obligées de retourner au potager, être obligées d'avoir à nouveau une basse-cour, tout simplement pour manger. Je ne vous parle pas de celles qui étaient femmes d'artisans ou femmes de profession libérale qui ne disposant plus du commerce ou d'aide, n'ont que la solution du RSA. Quoi. Hein le conjoint, alors on va passer maintenant au conjoint salarié. Le conjoint salarié, lui, il travaille effectivement dans l'entreprise. Donc, il a un poste qui est en référence avec ses compétences. Il a un salaire qui est normal pour le contrat de travail et ses compétences et sa qualification. Il ne donne pas d'ordre, il ne participe pas à la stratégie d'entreprise, il ne s'implique pas dans la gestion d'entreprise, il est salarié, il doit y avoir un lien de subordination et il n'est pas au-dessus mais en dessous. Sinon, l'entreprise et les dirigeants d'entreprise, les associés peuvent avoir de graves, graves soucis. On reprend notre tableau RECA. Donc, l'entreprise individuelle déroulée, vous serez travailleur non salarié et vous serez à la sécurité sociale des indépendants. Vous savez que le RSI disparaît définitivement à la fin de cette année. Hein, 31 décembre 2019, il aura complètement disparu. Le EURL, travailleur non salarié à la sécurité sociale des indépendants. SARL, le gérant majoritaire, travailleur non salarié, sécurité sociale des indépendants. Le gérant minoritaire, lui, il va être assimilé salarié, donc à l'URSSAF. Dans la SASU, c'est à l'URSSAF. Et dans la SAS, c'est à l'URSSAF que les cotisations vont être versées parce que c'est l'organisme qui va appeler à cotiser. Allez, deuxième. Quelle heure on finit? C'était vers 15h30. Oh, on a déjà un peu dépassé. Je suis désolée. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou est-ce que vous voulez qu'on continue? Je ne sais pas. Hein. Moi, je me suis emballée. Hein. Ah, pardon. Non, je vous pose la question parce qu'on a largement dépassé l'heure. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis passionnée, vous avez vu, parce que je vous explique. Alors, c'est Jean-Michel qui va prendre la décision parce que ça l'impacte lui aussi, mais ça impacte probablement une organisation aussi derrière. On continue. Allez. D'accord. On va aborder, mais on a bientôt fini, hein, vous inquiétez pas trop. On va aborder tout ce qui va être impôt. Hein, c'est la deuxième sauce à laquelle on est mangé. C'est pour ça que je vous ai mis ne pleurez pas, même si vous épluchez des oignons. Formes d'acquittement de l'impôt, soit l'impôt sur le revenu, ça vous le connaissez bien, hein, vous le faites déjà, soit l'impôt sur les sociétés, ça vous connaissez moins, mais vous allez voir que finalement ça fonctionne comme l'impôt sur le revenu. Ici, tout l'enjeu va être de décider si vous allez être mangé, et moi aussi en même temps, je vous en parle, à la sauce oignon impôt sur le revenu ou à la sauce oignon impôt sur les sociétés. Hein. Donc ça, ben, bien évidemment, c'est un choix que vous ne pouvez faire que quand vous étudiez le business plan financier. Parce que il faut avoir au moins des prévisions sérieuses pour se poser ce genre de questions. Ça ne m'empêche pas de vous dire qu'un résultat imposable et non un bénéfice, un résultat imposable, c'est un chiffre d'affaires moins les charges de l'entreprise. Alors, si vous êtes une société,
Il va y avoir certains paiements qui vont être considérés comme charges de l'entreprise. Si vous êtes dirigeant de l'entreprise, des charges qui seraient passées sous la société vont passer sur votre impôt sur le revenu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est si vous optez pour l'impôt sur le revenu. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires dans votre fiche d'imposition sur le revenu. Non, pardon. Vous allez calculer votre chiffre d'affaires moins vos charges, ce qui va vous donner un bénéfice, ici, de 35 000 euros. Là-dessus, vous allez déclarer votre bénéfice à l'URSSAF, qui va vous faire un appel à cotisation de 15 750 euros. Et quand vous aurez versé ces 15 750 euros, vous déclarerez le reliquat à l'impôt sur le revenu parce que c'est ce que vous devrez à l'impôt sur le revenu. En fait, c'est là-dessus que l'impôt sur le revenu va se calculer. Si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, vous allez avoir un chiffre d'affaires moins toutes les charges de l'entreprise, mais vont être considérées comme charges de l'entreprise les rémunérations des dirigeants. Donc, ces rémunérations vont venir se défalquer du chiffre d'affaires ainsi que les cotisations sociales qui y sont liées. Et cette fois, les cotisations sociales vont être calculées sur la rémunération du dirigeant et pas sur des bénéfices. C'est pourquoi, à droite, pour un même montant de résultat d'impôt, vous avez, pour un même montant éventuellement de rémunération, vous avez à droite 9 000 euros de cotisation sociale alors que vous en avez 15 750 à gauche. Donc, vous voyez l'importance de réfléchir à ça et de faire le bon choix. Lorsque vous aurez dans l'impôt sur les sociétés défalqué toutes ces charges, vous aurez un résultat imposable que vous déclarerez à l'impôt sur les, pour l'impôt sur les bénéfices. Et quand vous aurez payé votre impôt sur les bénéfices, vous aurez le bénéfice réel de l'entreprise. Voici l'échelle avec les tranches fiscales pour l'impôt sur le revenu. Vous allez le retrouver dans votre centre des impôts, probablement plus à jour que le mien, parce que ça a peut-être un petit peu changé, mais c'est facile à trouver. Vous allez même le trouver sur Internet. Et je vous montre maintenant l'impôt sur les sociétés, trois tranches pour l'instant. Il est en cours de discussion qu'il y en ait une quatrième. Voilà. Alors, si j'ai été chef d'entreprise, très jeune chef d'entreprise, et tout ce que je suis en train de vous expliquer là, je l'ai vécu comme vous êtes en train de le vivre et comme vous allez le vivre, comme une corvée, un passage obligé, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, parce qu'on est obligé de s'y mettre, parce qu'on est obligé de chercher à comprendre, parce que c'est important, c'est intéressant, parce que au bout, il y a de l'argent et notre survie financière, je m'y suis mise. Et il arrive un moment où on passe un seuil et où on commence à s'amuser avec tout ça. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un moment où on se dit « mais je vais pouvoir défiscaliser, c'est parce que je suis une petite entreprise ». Là, en payant tel complémentaire pour ma retraite ou tel truc, ça rentre dans les charges, donc ça réduit mon bénéfice à déclarer aux impôts, mais c'est de l'argent que je mets de côté en prévision de ma retraite, qui sera, en fonction de ce qu'on choisit, défiscalisé ou pas, etc. etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît aberrant. Et ça m'aurait paru aberrant si on me l'avait dit quand j'ai créé ma première entreprise. J'aurais dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Ben non, vous allez voir, il va arriver un moment où vous allez trouver cet aspect amusant et où vous allez chercher le moyen de vous amuser avec ça. Les charges rentrent dans le compte de résultat et non dans le bilan. Tout à l'heure, on a vu un bilan avec le capital social. Ici, si vous êtes en société, attention, si vous êtes dans les assimilés salariés, les charges sociales du dirigeant et la rémunération du dirigeant rentreront dans le compte de résultat, ainsi que l'impôt sur les sociétés. Donc, votre bénéfice, c'est quand tout sera sa partie. Et le calcul de l'impôt se fera en défalquant du chiffre d'affaires toutes les charges.
je vous dis, vous allez vous amuser à faire de la défiscalisation. Si, si, croyez-moi, dans quelques temps, vous allez dire, elle avait raison. On reprend notre tableau récapitulatif, on est dans le régime fiscal. Donc, pour l'entreprise individuelle, soit vous serez au réel, simplifié ou normal, soit vous serez au micro. Donc, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Pour le URL, soit vous serez à l'IR, impôt sur le revenu, mais vous aurez la possibilité d'opter pour de l'impôt sur les sociétés. Idem pour le gérant de majoritaire de SARL. Pour le gérant minoritaire de SARL, vous serez à l'impôt sur les sociétés, mais vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. C'est la même chose pour la SASU et la SAS. Voilà, c'est assez simple finalement. Ce tableau-là, récapitulatif, alors on ne va pas pouvoir vous transmettre le support complet, il est en copywriting. Si vous voulez le revoir, vous pouvez venir chez nous pour le… on vous le présentera. Mais ce que je vais proposer à Jean-Michel, c'est qu'il prélève ce tableau récapitulatif où vous avez finalement toutes les informations essentielles, tableau synthétique, et où vous pourrez les retrouver. D'accord ? Alors… qui je suis et d'où nous venons et qui est Positive Planète? C'est une des premières questions que vous nous avez posées. Positive Planète, ce sont 4 ONG qui ont été créées par Jacques Attali entre 1999 et 2005. La dernière, c'est celle dans laquelle je travaille, qui est Positive Planète France et qui s'appelle aussi Entreprendre en banlieue. Nous sommes… pour être plus clair, Entreprendre en banlieue, parce que il l'a créé en dernier, parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un besoin équivalent en France, alors qu'il travaillait avec déjà 3 entités à l'international. Lorsque 2 jeunes se sont tués dans un transformateur, les banlieues se sont soulevées et on a eu du mal à stopper ce soulèvement, et ça a interrogé nos grands hommes, qu'ils soient politiques ou pas. Et certains se sont dit, il y a probablement une problématique que nous n'avons pas vue dans ces zones-là. Jacques Attali, la problématique, c'est qu'il n'y a plus rien de proximité. Voilà. Plus aucun acteur de proximité, ce sont des zones désertées au même titre que les pays en voie de développement où nous travaillons par ailleurs avec les 3 autres ONG Positive Planète. Donc, il a dit, je vais créer un Positive Planète France, avec l'obligation pour toutes les entités, pour toutes les agences, les permanences, d'être installées, implantées dans les zones prioritaires, dans les banlieues ou dans les zones dévitalisées. Voilà. Donc vraiment des extrêmes, mais en tout cas nous sommes implantés physiquement, géographiquement là, et nous travaillons bien évidemment prioritairement avec ces personnes, mais pas. Le travail que nous réalisons, c'est de l'accompagnement à la création d'entreprises. Alors, vous voyez écrit là, nous accompagnons tous les porteurs de projets avec bienveillance et professionnalisme. Ce sont des bien grands mots derrière lesquels peuvent se cacher beaucoup de choses. Donc, pour être clair avec vous sur ce que nous entendons par bienveillance et professionnalisme, nous entendons par bienveillance que nous accueillons tout porteur de projet sans jugement. Nous n'avons pas d'avis sur le projet. Nous ne sommes ni Dieu, ni clairvoyants, ni tarologues, ni etc., bien que nous soyons des consultants très expérimentés et très performants. Nous ne nous positionnons pas en juge. Le travail que nous faisons, c'est d'amener chaque porteur de projet à être en posture de dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire à acquérir les informations, les compétences nécessaires pour dire par lui-même « mon projet est viable » ou « mon projet ne l'est pas ». Voilà, il doit prendre la décision par lui-même, il va être chef d'entreprise, c'est sa posture, il va prendre des décisions 10 fois par jour, 100 fois par jour, 1000 fois par jour. C'est le premier entraînement que nous vous donnons, nous ne vous donnons pas d'avis. Professionnalisme. Ben, ça va vous paraître super prenant, mais nous ne vous donnerons pas non plus de conseils. Ah, alors qu'est-ce que vous faites pour nous? Alors déjà, arrêtons-nous sur ce qu'est un conseil. Je vous conseille d'aller manger chez Maxime ce soir. Vous êtes d'accord? Je vous ai donné un conseil.
à quel moment je vous ai dit que je vous accompagnais avec ma carte de crédit ou mon chéquier. Un conseil et un conseilleur, c'est ça. C'est celui qui vous dit ce que vous devez faire. Mais comme c'est vous qui avez pris la décision de le faire, lui ne sera pas impacté par les implications qui vont suivre cette décision. Donc, nous nous refusons à donner tout conseil. Le travail que nous faisons avec vous, les porteurs de projet, c'est vous guider, vous informer, vous former, vous orienter. C'est à vous de faire le travail de validation de projet parce que vous allez ainsi maîtriser tous les aspects de votre projet, maîtriser les éléments incontournables, les compétences de base, le langage, et donc prendre des décisions en toute autonomie. Oui, c'est de la sagesse. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Mais ça me paraît essentiel. Être chef d'entreprise, ce n'est pas simplement créer une entreprise. C'est être en posture d'entrepreneur, c'est-à-dire comprendre. Et je pense que tout au long de l'explication et de la démonstration que je viens de vous faire, j'ai essayé de vous faire passer ce message que vous allez prendre des décisions qui vont vous impacter ou qui vont impacter autrui. Et qui vont avoir à chaque fois des conséquences, positives ou négatives. Il n'est pas la question de vous faire peur. Beaucoup d'entreprises se créent et beaucoup d'entreprises vivent bien, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas de problème parce qu'elles ont prévu tout ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est prévoyez. Travaillez ça en profondeur. Comprenez, maîtrisez. Un minimum, ne faites pas 5 années ou 10 années d'études de droit. Maîtrisez ce qui va tenir de votre entreprise et ce qui tient du juridique de votre personne. Voilà. Et puis sur les autres aspects aussi. Alors, chez nous, vous pourrez bénéficier d'un parcours individualisé avec des entretiens et vous avez un chargé d'accompagnement qui vous est dédié. Et puis, pour compléter ce parcours qui est individualisé, qui se fait en pas à pas, en toute autonomie, à votre rythme et gratuitement, il y a des ateliers. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est extrait d'un atelier que nous avons en place chez nous. Des ateliers et des rendez-vous individuels avec des experts dans différents domaines, dont juridique. Et tout ça est bien évidemment gratuit. Les ateliers sont collectifs, hein, les rendez-vous sont individuels. Donc, vous avez là une petite liste, protection sociale du dirigeant, communication digitale, aspect financier, protection intellectuelle, etc. Il y a beaucoup, nous faisons intervenir beaucoup d'experts chez nous. Un espace de coworking ou des espaces de coworking en fonction de l'endroit où vous vous trouvez en France, qui vous est dédié et éventuellement de la mise à disposition de salles ou de bureaux dans le cadre de rendez-vous qui sont essentiels pour vous et que vous voulez faire dans un environnement professionnel. Un club des positiveurs qui réunit toutes les personnes qui ont été accompagnées par Positive Planet et qui ont immatriculé et qui propose là également de ne pas laisser le chef d'entreprise tout seul après la création d'entreprise. Donc là, vous allez retrouver des événements de networking, vous allez retrouver des ateliers, des rendez-vous individuels avec des experts, vous allez retrouver du réseau ou des réseaux professionnels, de la mise en synergie, vous allez retrouver sur l'espace dématérialisé des services dédiés, puis bien évidemment le mentorat, donc la possibilité d'être accompagné pendant un an, parfois un petit peu plus, par des chefs d'entreprise aguerris, ou à la retraite, ou par des consultants de très haut niveau qui vont vous permettre surtout de prendre du recul, donc posture du chef d'entreprise. Prendre du recul, regarder la situation, éviter les erreurs de débutants, être attentif aux menaces, prévoir, anticiper, c'est mieux que de devoir guérir, être en saisie d'opportunités, et puis, évidemment, quand on dit chef d'entreprise, quand on dit consultant de haut niveau, on dit des réseaux professionnels. Et il est évident que ces chefs d'entreprise qui vont vous accompagner pendant plus d'un an, vont s'impliquer quelque part, même si c'est avec de la retenue, et vont essayer de mettre à votre disposition ce dont ils disposent souvent, c'est leur réseau professionnel. Voilà. Tout est gratuit chez nous.
Actuellement à Paris, nous allons co-construire. Alors, il y a déjà des choses qui sont en place pour les positiveurs, mais nous mettons en place une démarche de co-construction avec les positiveurs pour ce club des positiveurs afin qu'ils y trouvent, que les chefs d'entreprise y trouvent ce dont ils ont vraiment besoin. Alors, ça, non, c'est pas pour vous, mais ça, oui, c'est pour vous. Voilà, j'ai terminé. On a vraiment beaucoup dépassé. Je vous remercie tous de votre patience. Hein. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Je sais que vous êtes venus avec des questions, que je suis venue avec mes réponses. C'était un homme politique que nous apprécions beaucoup dans le temps et qui nous faisait rire et qui nous amusait, qui disait ça. Mais ayant été moi-même chef d'entreprise, faisant de l'accompagnement à la création d'entreprise depuis très longtemps, il m'a semblé opportun de venir plutôt avec des questionnements et en tout cas une base de questions que vous pouviez vous poser, plutôt qu'avec des réponses toutes faites, finalement qui ne répondraient pas à vos problématiques parce qu'elles sont, comme je vous le disais au début, uniques. Parce que vous êtes des chefs, vous allez devenir des chefs d'entreprise uniques, parce que vous êtes des porteurs de projets uniques et parce que votre projet est unique. Même si vous êtes le 100 millième coiffeur de France, ou le 10 millième, ou le 200 millième VTC, voilà, peu importe, chaque projet, chaque entreprise est unique, chaque porteur de projet est unique. Ah, mais il y a Nelly qui nous aide aussi à répondre aux questions. Alors, l'ADI et Positive Planet travaillent ensemble. Nous avons des porteurs de projets en commun parce que nous faisons l'accompagnement et nous orientons et nous accompagnons nos porteurs de projets dans la recherche de financement. Je vous disais tout à l'heure, on peut avoir un projet d'entreprise et ne pas avoir de capital d'apport, ne pas avoir d'économie et se dire « aïe, 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 je ne pourrai jamais créer, il n'y a que les riches qui peuvent faire des choses ». Ce n'est pas vrai. J'ai actuellement le cas d'un porteur de projet qui est sans domicile fixe et pour lequel nous avons confirmation de financement à hauteur de 150 000 euros. Il avait 0 euros, il est sans domicile fixe. Voilà, donc nous travaillons avec des financeurs. L'ADI fait partie de nos partenaires privilégiés. Nous avons des dossiers en commun. Nous travaillons ensemble et pour l'ADI comme pour nous, l'objectif n'est pas d'avoir des porteurs de projets à tout prix, mais que nos porteurs de projets que nous avons en commun ou séparément arrivent à valider un projet qui est viable, à mener une entreprise qui est viable, se pérennise. Voilà, c'est l'objectif que nous avons en commun et l'ADI nous oriente des personnes et nous orientons des personnes sur l'ADI pour les financements, pour leurs assurances. Je crois que vous avez même de l'accompagnement parfois parce que l'accompagnement est différent et qu'il peut probablement mieux correspondre à certains profils. On est en collaboration, on est en coopération, on travaille beaucoup ensemble. On était encore avant-hier sur un événement, une manifestation, un forum dans la mairie du 10e. Et je sais qu'on collabore partout en France. Et l'objectif, c'est vraiment le porteur de projet, l'entrepreneur, la pérennisation des entreprises. Voilà, c'est ce que nous avons tous à cœur. Alors, je sais, est-ce qu'il existe des Positive Planet à Nantes ? Alors, pas à Nantes, pas pour le moment. La plus proche de chez vous est Le Havre ou Paris. Donc, à Nantes, il y a l'ADI. Donc, vous pouvez venir voir l'ADI, visiter l'ADI dans les locaux de la MCTE rue Bisson. À Nantes et Toulouse. Oh, et le Var. Un Toulousain, un Varois, mais génial. Diapositive. Alors, déjà, pour les Landais, etc., Toulouse, les Landais, ma famille est installée en Lot-et-Garonne, juste à côté de chez vous, je viens en vacances chez vous. Toulouse, j'ai travaillé chez vous pendant 2 ans. J'adore Toulouse. Le Var, j'ai de la famille dans le Var. Je viens aussi en vacances chez vous. Alors, coucou à vous tous. Et dans le Var, oui, il y a Positive Planet. Toulouse et les Landes, nous ne sommes pas encore représentés dans le Sud-Ouest. Oui, en vacances, je viens en vacances chez vous. Ouais. Et puis, j'ai de la famille, donc je ne viens pas qu'en vacances. Je viens aussi pour passer du temps avec les miens.
Et les miens, c'est un peu vous tous, hein, c'est la famille élargie quand on vient d'une région. Donc, un grand coucou à vous tous, un gros bisou à vous tous et un gros MERDE dans votre projet. Et pour votre projet. Alors, dans le Var, c'est, si mes souvenirs sont bons, il y a Toulon, il y a quelque chose à Nice et il y a quelque chose dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, forcément. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? 16h30 à Montpellier. Alors, Montpellier, c'est comme Toulouse et c'est comme Bordeaux, enfin, c'est le sud-ouest. Nous n'avons pas d'implantation concrète maintenant. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour être accompagné par nous, moi, j'ai déjà, alors, par nous et par le Positif Planète qui intéresse les personnes, parce que nous, on n'est pas ficelé, rigide et cadré. J'ai des gens, moi, que j'accompagne qui viennent de Marseille, qui viennent de La Rochelle, qui viennent d'Amiens, alors qu'ils ont des Positifs Planètes juste à côté et d'autres entités. Donc, c'est à voir. Nous n'avons pas commencé l'accompagnement dématérialisé par Internet parce que nous avons obligation, nos financeurs privés et publics nous font obligation d'un accompagnement en individuel physique. Donc, vous deviez nous signer des documents à chaque fois. Et nous n'avons pas encore la signature dématérialisée. Voilà. Mais nos bureaux sont ouverts, notre porte est ouverte. Et si vous avez la possibilité, les moyens de faire les trajets, de venir de loin, même si ce n'est pas 10 rendez-vous, mais si vous avez besoin de 2 ou 3 ou 4 rendez-vous pour vérifier, valider, etc., ben vous êtes les bienvenus. Et pour tous les autres, éventuellement, l'ADI vous orientera et si vous nous appelez, et ben on vous orientera aussi. Voilà. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Et on vous souhaite un très bon week-end. Merci, Gessaline. Merci à tous pour cette intervention. Merci, Jean-Michel. À bientôt. Au revoir.